bienvenue à l'école numérique Machine Lab. En ce moment, nous nous retrouvons en mathématiques opérations. Et comme nous sommes en mathématiques opérations, j'allais essayer d'observer ce que je vais mettre au tableau noir et vous me direz de quoi est-ce qu'il s'agit. Observer. Après observation, nous constatons que nous avons des schèmes. Et la fois passée, en mathématiques opération, nous avions essayé d'étudier la fixation des signes plus et les signes d'égalité. Je vais prendre ces schèmes, les deux schèmes, je vais fixer les signes d'addition et les signes d'égalité. Je dirais deux schèmes plus un schème égale combien de schèmes? Ici, nous avons combien de schèmes? Nous avons trois schèmes. Nous allons les additionner avec deux schèmes qui donnent combien de schèmes? Ici, nous avons quatre schèmes. Nous allons additionner à un schème qui donne combien de schèmes? Voilà qu'en ce moment, en mathématiques opération, nous allons essayer d'étudier l'addition des schèmes. Bien, nous allons essayer d'étudier l'addition des schèmes. Je sais que vous savez déjà ce signe, le signe ici et le signe ici, le signe à la forme de la croix, c'est le signe d'addition. Ce signe nous aide à augmenter. Ici, nous avons le signe d'égalité. Nous avons un schème, deux schèmes, plus un schème. Qui donne combien de schèmes? Ici, nous avons un, deux, plus un schème. Qui donne à combien de schèmes? Un schème, deux schèmes, trois schèmes. Vous autres, comme je viens de le faire, vous pouvez aussi travailler les secondes. Ici, nous avons combien de schèmes? Un schème, deux schèmes, trois schèmes. Un schème, deux schèmes, trois schèmes. Plus deux schèmes. Un schème et deux schèmes. Qui va compter le total des schèmes? Nous avons un schème, deux, trois, quatre, cinq. Qui donne cinq schèmes? Un autre. Ici, nous avons combien de schèmes? Un schème, deux schèmes, trois schèmes, quatre schèmes. Ici, nous avons un schème, deux schèmes, trois schèmes, quatre schèmes. Plus un schème. Qui donne combien au total? Un schème, deux schèmes, trois schèmes, quatre schèmes, cinq schèmes. À la maison, vous allez faire ceci. Un schème, deux schèmes, trois schèmes, quatre schèmes, plus un schème, deux schèmes, qui donne combien de schèmes? Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.